essayer. Ce soir chez vous, Stevie Boulet. Bonsoir. Caroline Diamant. Bonsoir. Philippe Gueluc. Bonsoir. Isabelle Alonso. Bonsoir. Annie Lemoine. Bonsoir. Et Pierre Bénichoux. Et je voudrais tout de suite vous montrer la une du magazine très spécialisé Auto Hebdo qui résume la course à la présidentielle avec les meilleurs chronos des candidats. Alors Jean-Marie Le Pen qui a été flashé à 185 km/h sur une route à 130. Bon, faut dire qu'il peut pas avoir un œil sur la route et l'autre sur le chrono, hein, c'est pas possible. Sarkozy qui roule à 130 sur une route à 70. Ségolène Royal à 158 sur une route à 110. Et le plus fort, c'est quand même Olivier Besancenot, regardez, 135 km/h avec son vélo en plus. Hein. À la une du magazine, ils ont pas mis Bayrou parce qu'avec son tracteur, c'est le contraire, il ralentit tout le monde. Il n'y a rien de pire que d'être sur une route avec un tracteur devant. En fait, non, si, si on ouvre le journal, Bayrou est à l'intérieur. Il est même classé numéro 3 dans les plus grands fautifs, derrière Sarko et Le Pen. Ségolène est en 4, je crois Besancenot en 5. Mais tout ça n'est rien, évidemment, à côté de ce qu'on a vécu hier, c'est-à-dire ça. Ou de la ligne droite, effectivement, c'est pour assainir une fusée sur Terre. J'imagine que vous voyez cette image extrêmement spectaculaire. Alors il passe à notre hauteur. Ah, c'était extraordinaire. Ah oui, il peut être fier, vous allez voir, le conducteur du TGV, 574,8 km/h. Et c'est normal, bravo, il fait même la une du Parisien ce matin, le TGV. La une du Figaro, ça va de soi. Dans l'Huma, bah, ils sont très fiers, à l'Humanité aussi, c'est en une. Mais alors le mieux, c'est quand même Libération aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez acheté Libé. Parce qu'il faut aller page 22 de Libé pour lire finalement page 22 uniquement. Le TGV bat son record de vitesse. Si cela vous avait échappé, le TGV a battu hier à 13h14 son précédent record de vitesse. Si on peut revoir l'importance que ça prend sur une page. Ils n'aiment pas le train à Libération, c'est quand même incroyable. Comment vous expliquez ça? Mais vous savez, c'est impressionnant, l'exploit technique est impressionnant, mais les images qu'on vient de voir, c'est pas très impressionnant. Moi, je l'avais déjà battu bien avant. J'avais pris des images de l'ancien TGV, je les avais passées en avance rapide sur mon magnétoscope, et ça faisait le même effet. Caroline, depuis ce matin, sur toutes les radios, sur toutes les télés, on parle d'une affaire qui a choqué beaucoup de gens, qui se passe dans une cantine en Seine-et-Marne, je crois. Honteux. Je voudrais vous montrer ce qu'on a servi à manger à 9 enfants entre 3 et 6 ans. Vous voyez bien, du pain sec et de l'eau. On pensait que c'était réservé au roman d'un ancien siècle. Pas du tout. Et ils avaient du melon. Ils avaient deux melons à la cantine. Non, le plat. C'était mal choisi. Non. C'est scandaleux pour plusieurs raisons. Outre le fait que priver dans un enfant... Village, hein, alors, massif. C'est dans un village de Seine-et-Marne. Et il y avait 9 enfants, je vous dis, entre 3 et 6 ans. Non, ce qui est important, non seulement ces enfants n'ont pas eu à manger, ce qui est déjà et pas bien physiquement, mais le traumatisme d'être mis à l'écart par rapport à tous les petits-enfants qui mangent. Vous avez entre 3 et 6 ans, vous ne comprenez pas pourquoi vous faites partie d'un groupe qu'on met à l'écart et qui ne mangera pas. C'est ignoble. Oui, il faut quand même dire. Vous dites ça. Vous dites ça parce que vous ne savez pas ce qu'ils servent à la cantine du Massy d'habitude. Tous les enfants qui ont eu droit à manger ont regardé les autres qui avaient du pain sec et de l'eau, ils ont fait ménard. Pierre, oui. C'est le fils Noah que vous avez retenu, vous, dans la presse aujourd'hui. Ah oui, parce que c'est assez marrant ce qui s'est passé. C'est que les journaux ont été très bien. La NBA s'offre Joachim Noah parce que Noah va maintenant passer dans la cour des grands, il va jouer avec les plus grands basketteurs. Alors on est dans une sorte de consensus et l'on n'oubliera jamais, dit Noah, dans l'équipe. À propos d'équipe, justement, on en parle pour l'équipe de France, une équipe de rêve où il pourrait jouer avec Tony Parker et tout ça. Et c'est formidable. Seulement il y a un hic, c'est qu'il n'a pas de passeport français. L'humanité, vous savez comment ils titrent l'humanité? Un sans-papier reconquiert l'Amérique. Et voilà, c'est un sans-papier. Moi, je trouve ça génial. Alors, on peut trouver que c'est un peu politisé, une histoire sportive, mais c'est quand même pas mal au moment où tant de gens essayent de devenir français, on leur met des bâtons dans les roues, qu'il y a un métis qu'on supplie à mort de devenir français, c'est très bien. Exactement. Voilà.
Philippe Gueluc, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, d'ici, on avait montré la maison d'un couple chinois, et on a des suites de cette affaire. Oui, alors que les personnes cardiaques s'éloignent de la télévision, parce que je vais donner le nom de famille, ce sont les WU, ou les VU. Et les promoteurs qui voulaient les virer, finalement, vont raquer pour les faire partir. Ils vont leur payer 3 millions de yuan. Ça fait à peu près 400 000 euros. Mais l'info du jour, c'est quand même de dire, parce qu'on a déjà parlé de cette affaire, l'info du jour, c'est que ça y est, la maison a été détruite quand même. Voilà, c'est ça. Ils ont revendu, ils ont truc, et c'est rasé. Monsieur Wu a finalement craqué et a décidé de revendre sa maison aux promoteurs, parce que les promoteurs, qui sont des loups, étaient toute la nuit autour de chez lui en faisant ouh. C'est nul. Et alors, je détiens une information que la presse ne révèle pas, c'est qu'on sait ce qu'ils ont dit. On leur a, à la question « Où allez-vous aller maintenant ?» ils ont répondu « Tang quang ting fang pong ting ». Ce qui veut dire... Et je n'ai pas trouvé de traducteur chinois pour vous dire ce que ça veut dire. Tu es con. Annie, c'est le canard enchaîné qui révèle quelque chose d'incroyable à propos d'une photo qu'on avait peut-être, que vous avez peut-être vue dans Paris Match. Oui, et ça s'est passé début mars dans Paris Match. Effectivement, un cliché sort, vous allez le voir. Il y a là une femme entourée de quatre jeunes gens. Et le Paris Match dit que cette femme n'est pas rassurée. La passagère pas rassurée se plonge dans sa lecture et n'en sort pas. Paris Match, en fait, avait fait un retour sur les émeutes qui avaient lieu 15 mois auparavant à Clichy-sous-Bois. Donc ça se passe là-bas. La passagère en question lit Paris Match... le jour de la sortie, et en fait, elle est prof à Clichy-sous-Bois. Et elle dit, mais c'est pas du tout vrai, quoi. Je rentrais du lycée, je lisais les bouquins, je prends le bus normalement, je prends le RER normalement. Alors, elle décide d'appeler Paris Match, et Paris Match l'envoie balader en disant... Parce qu'elle dit, si moi, j'avais pas peur, j'ai l'habitude, je suis très bien dans ce métro. Je lisais tranquillement. Donc, Paris Match dit, faites un procès si vous n'êtes pas contente. Elle prend un avocat, l'avocat appelle Paris Match, menace d'un procès, il se passe toujours rien, ça traîne l'humanité. Sort l'histoire. Et là, ça accélère un peu les choses. Alors, Paris Match se fend trois semaines après. On est à la fin mars d'un petit, vous allez voir, d'un petit encadré. Ce qui est dingue, quand même, quand on regarde ça, c'est la taille du rectificatif de Paris Match dans ce sommaire. Regardez un peu la place que ça prend pour dire cette dame n'était pas du tout apeurée et n'avait pas du tout peur de quoi que ce soit dans ce métro. Le photographe s'est expliqué dimanche dernier dans Arrêt sur image sur France 5. Il a dit il plaide coupable, droit à l'erreur, ma photo a été mal légendée. Et le plus triste, c'est que cette prof maintenant a des ennuis, elle se fait chambrer et les élèves disent alors madame, on n'aime pas les noirs. Il faut dire que les quatre garçons qu'on voit sur cette photo autour de cette dame sont en plus des garçons que le photographe a emmenés avec lui, c'est quand même important de le dire. On comprend que la dame ne soit pas contente parce qu'elle est prof à Clichy-sous-Bois et qu'effectivement, maintenant, elle se fait railler partout parce que tout le monde lui dit « Alors dis donc, t'as peur des blagues, alors qu'elle n'a pas peur du tout. » Et quand on voit la taille du communiqué dans Paris Match, on se dit que quand même, on surfe en ce moment sur la peur des gens et que c'est vraiment intolérable, quoi, que l'information est totalement manipulée. Stevie, il y a une info people qui m'aurait échappé. Ben ouais, j'ai trouvé ça dans 20 minutes en fait. Bon, tout le monde connaît les Spice Girls. Yes. Ah bah un peu. Tout le monde, Wannabe, etc. Vous connaissez tous la meneuse qui s'appelait Mel B. Et bien Mel B. Vous connaissez les Spice Girls? Bien sûr, et Mel B surtout, c'est la meneuse. Et bien Mel B vient d'accoucher d'une petite fille à Santa Monica et le père n'est autre que Eddie Murphy. Mais quand il a appris qu'elle était enceinte, il l'a quitté. D'accord. Et en plus, il conteste sa paternité, il demande un examen ADN. Eddie Murphy est marié par ailleurs, ce qui explique sa fuite. Et je pense que... Tout ça me rend allergique. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, dans le même journal, quelques pages avant, il y a une pub pour le nouveau film d'Eddie Murphy qui dit « Un mec sympa avec un énorme problème ». Voilà. Donc si à chaque fois qu'il fait l'amour à une femme et qu'il l'engrosse et qu'il se tire après, c'est pas manifestement, très sympa. Manifestement, elle est enceinte, ça c'est sûr. En tout cas. Elle se porte pas là. Hein. Isabelle, à la rentrée, vous allez pouvoir suivre le football sur France 2. Ah, enfin. Non, mais c'est vrai, vous parliez de petites nouvelles qui n'intéressent personne. Moi, j'ai de la nouvelle, moi j'ai du lourd, moi j'ai du gros. Figurez-vous que Pascal Sevran est privé de son émission du dimanche... où on chante des chansons d'un autre âge. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que
Le foot étant décidément prioritaire sur tout, c'est maintenant une émission, un temps d'antenne qui va être consacré au football. C'est-à-dire qu'entre la cible des émissions de Pascal Sevran et la cible des émissions de foot, autrement dit la cible entre les supporters avinés et les citoyens périmés, la télévision publique a choisi et on renvoie Pascal Sevran quand même sur la 3 avec une émission quotidienne. Donc, il est gagnant, Pascal. Donc, il est plutôt gagnant. Moi, je croyais que c'était lui qui allait animer Téléfoot 2. Ça aurait été génial. Mais un Tintin PSG a gagné, hein. Moi, je voudrais quitter l'émission, ou en tout cas quitter cette place. Ouais. Parce que moi, j'adore le football et j'adore les vieilles chansons. Et elle a dit soit des supporters avinés, soit des citoyens périmés. C'est comme ça que tu me parles. Merci beaucoup. Selon un rapport d'enquête de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, la fraude à l'identité est un phénomène de plus en plus répandu et inquiétant même, on peut dire. L'astuce qui consiste à obtenir des documents authentiques avec sa propre photo, mais avec le nom d'une autre personne, fait même, paraît-il, des ravages actuellement. D'autant plus que s'approprier l'état civil de quelqu'un d'autre est un jeu d'enfant, puisqu'il suffit de connaître son nom, sa date et son lieu de naissance. Pour parler de ce sujet, on va accueillir un chercheur et criminologue à l'Université Paris 2, il s'appelle Christophe Naudin, accompagné par une personne qui a été victime d'une fraude à l'identité, Farid Chalabi. Voici Christophe Naudin et Farid Chalabi. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, grâce à vous, monsieur Naudin, et grâce ou à cause de la mésaventure vécue par monsieur Chalabi, on va apprendre des tas de choses aujourd'hui. Parce que, alors, d'abord, il y a une distinction que je ne connaissais pas, et c'est très précis tout ça, c'est qu'il y a l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, la victime, lui, est toujours vivant. Donc, il a possibilité de retrouver son identité. OK. Vol d'identité, je le tue, je prends son identité, donc il est mort, il est enterré quelque part. Il n'a pas la possibilité de recouvrer ses droits. Et troisième possibilité ? Il y a la substitution d'identité. Vous êtes nul en maths, moi je suis très bon. Donc à ce moment-là, on échange nos cartes et je vais passer un examen à votre place. Alors monsieur Chalabi, vous avez été victime de quoi dans ces... Pas de vol d'identité puisque vous êtes là encore. Voilà. Vous n'avez pas été tué pour qu'on vous pique votre nom. Heureusement, oui. Pas substitution puisque ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est quoi vous ? C'est usurpation d'identité. C'est ce que j'ai appris, oui. Voilà. Alors comment vous l'avez appris ? Racontez-nous. Bah, c'est juste au renouvellement de ma carte d'identité qui arrivait à expiration. On m'a informé qu'au début, qu'on m'avait remis une carte en 2001 à Rennes. Sauf que ce que j'ai appris par la suite, c'est que ce n'était pas une carte, c'était six documents en mon nom. C'est qu'en gros, il y avait six faux mois qui circulaient avec mon identité. Vous dites six faux mois ? Six faux mois. Pourquoi six sur vous ? Puisqu'on sait qu'il y a à peu près 60 000 cas par an, un truc comme ça. Bon. Mais... Et c'est chacun une personne dont l'identité, qui vole une identité. Oui, quel pourquoi hasard est-ce que les six, qu'il y en ait six sur pour monsieur qu'il y en ait six sur parce vous. Que tout le monde rêve d'être Farid Chalabi. Non, c'est pas ça. C'est qu'on, on change pas une équipe qui gagne. On a pu avoir une fois des papiers en mon nom. C'est ça, c'est des voyous. Deux, ça marche. Trois, quatre, ça marche. Donc il est six fois, c'est impeccable. N'a pas porté plainte, c'est pas rose. À ce moment-là, ils disent comment ça va ? Ça va, Farid ? Ça va, et toi, Farid ? Ça va, Farid ? Ouais. Ils sont les six. Bah, les six appellent le même porte le même nom. C'est que ça a marché, hein. Et six fois. Alors, comment prouve-t-on qu'on est le vrai Farid Chalabi par rapport aux six autres ? Alors, c'est le problème, parce qu'en fait, des Farid Chalabi, il y en avait sept. Et donc, il faut essayer un petit peu de trier tout ça, parce qu'il aurait pu être l'usurpateur lui-même et prétendre. D'ailleurs, j'ai des doutes. Prétendre. Est-ce que vous nous avez amené le bon Chalabi aujourd'hui ? Voilà. Oui, on passe ça, alors là, les autres, ils les avaient aussi. Le chiffre de 6 est préoccupant parce que c'est arrivé aussi à un ami à nous qui s'appelle Rocco. Rocco, 6, Freddy. Il y en avait 6. Mais là, pour reconnaître le vrai, ça a été assez facile. On les a fait témoigner au commissariat. On a dit, c'est lui le vrai. Alors, comment vous avez réussi à prouver sa véritable identité ? Il y avait 4 cartes d'identité, 2 passeports. Donc, les gens sont convoqués. Il n'y en a aucun qui vient parce qu'ils sont probablement très loin dans un autre pays. Donc au bout d'un moment, on finit par aller à l'essentiel, c'est-à-dire de se dire que celui qui effectivement s'est présenté au commissariat est nécessairement le bon. Mais c'est vrai que vous avez raison, aujourd'hui, les États de façon générale, ne savent pas identifier les citoyens. Et c'est un grand problème d'avenir sur lequel on travaille évidemment. Il n'y aura pas 36 solutions, on va devoir revenir à ce qu'on appelle un système animal, la biométrie.
Et aujourd'hui, on ne raisonne plus sur une petite tribu, un petit clan, on ne raisonne plus sur un pays de 65 millions de personnes, on raisonne sur une planète, 6 milliards et des brouettes d'individus, demain 20 milliards, comment on va faire pour assurer l'unicité de 20 milliards de personnes. Annie Lemoine. Il y a pas mal d'Annie Lemoine. Heureusement, je crois que personne n'a commis de crime jusqu'ici. Mais oui, et des Annie aussi, je peux vous dire. C'est, bon, ça va être ennuyeux au plus pour t'es les autres. C'est d'un commun. Mais oui, bien sûr, je suis commune, je suis banale, ordinaire. Non, mais il y a des femmes. J'ai entendu, elle est pas mal, Annie Lemoine. Oui. Vous avez dit, il y en a pas mal d'Annie Lemoine, et j'ai entendu, elle est pas mal, Annie Lemoine. Quelle elle modestie. Elle est pas folle complètement. Quelle modestie, je dis. Alors, moi, je... oui, votre. Oui, en même temps, elle est pas mal, Annie Lemoine. Elle est pas mal. C'est pas elle, le moi, sujet. Je dis qu'elle est mieux que pas mal. Mais non, non. Il y en a pas mal, mais elle est la mieux de toutes les Annie Lemoine. On ne sait pas, on n'a pas vu les autres. Mais voilà, il y en a des mieux. Moi, y en a celle des... qui s'appelle Jean-Luc, là, j'ai vu, elle n'est pas terrible. Hein. Bon, votre affaire n'est pas du tout réglée, c'est pas si simple que ça à régler, et ça vous a causé bien des ennuis. Enfin, je veux dire, vous étiez incapable de voyager pendant un temps, vous aviez une mère malade, vous n'avez pas pu aller voir, etc. Enfin, c'est voilà, grave. Bah, le problème, c'est que pendant 9 mois, on m'a assigné, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas chercher du travail. Le moindre contrôle d'identité devenait une galère pour moi. Et en face de tout ça, j'avais personne à qui m'adresser. Limite, je dérangeais ou quoi. Heureusement que j'ai fait connaissance avec M. Naudin. Oui. Sinon, c'est-à-dire que s'il n'avait pas volé à votre secours, seul, vous ne pouviez rien faire. On ne vous entendait pas, on ne vous recevait pas. Bah, il faut dire que vous, les médias, oui, c'est pas facile de vous atteindre aussi. Hein. Non, non, mais sans passer par les médias. Et pas. Vous, les médias. Ça, c'est comme vous avec Emmaüs, Gueulic. Oh là là. Mais c'est tout, le problème est réglé. Hein. Je vais envoyer des dessins de vieux vêtements à Emmaüs. Hein. Il y a une chose qui me trouble dans ce que vous dites, c'est que vous avez eu des problèmes avec votre propre identité, mais les autres, ceux qui avaient le nom de Chalabi sur la carte d'identité, s'ils avaient été contrôlés quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un ordinateur central qui aurait pu dire, tiens, on en tient un, on va vous le ramener? Bah, le bon côté dans cette affaire, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, cette fameuse base de données qu'ils doivent consulter pour faire des vérifications. D'ailleurs, on me dit que j'ai eu de la chance parce qu'on m'a laissé le temps de découvrir cette affaire en renouvellement des papiers et pas avec la police à ma porte. Stevie Boulet. Mais alors c'est là. Moi, je pense que la solution est dans le passeport biométrique. Mais s'ils arrivent justement à falsifier les papiers d'identité, ils pourront le faire aussi avec le biométrique, puisqu'après, ils auront juste à mettre leur empreinte digitale, un truc ADN, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple, si je conserve un de vos cheveux, là, ici, ce soir, oui, paf, j'arrive ne à... Pas, ne mais non, il y en a plus tellement. Le problème... Est-ce que le problème vient de l'état civil? Parce que normalement, à l'état civil, je me rappelle, moi, quand j'ai fait mon passeport, on m'a demandé le livret de famille, oui, et puis 2 ou 3 quittances de loyer ou EDF-GDF ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui arrive dans un état civil juste avec 3 quittances de loyer et pas de papier, il dit, voilà, je suis né là. La mairie donne, l'état civil donne à ce, oui, mec-là quand même un certificat. Alors c'est ce qu'on appelle l'identité acceptée. C'est là le mot de tous les problèmes, en fait. Non, c'est pas là le mot de tous les problèmes, mais c'est ce qu'on appelle, ce que vous décrivez et qui est très vrai, c'est ce qu'on appelle l'identité acceptée. C'est-à-dire que l'État accepte la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler l'identité des gens. Et alors, vous avez raison, la biométrie, c'est inévitable, on va tous y venir. Ce ne sera pas le passeport biométrique, forcément, ce sera l'État civil biométrique, qui va arriver dans quelques années, je le souhaite en tout cas, mais... va simplement assurer quelque chose, c'est l'unicité des gens. On va rappeler que vous aviez déjà travaillé sur la sécurité aérienne, là aussi, hein, évidemment, on nous demande nos papiers d'identité avant de monter on dans un on fait des avion. Blacklists, surtout, on essaye d'arrêter des gens qui sont des mauvais terroristes et on fait atterrir des avions, et quand ils atterrissent, on s'aperçoit que ce n'est pas les bons. Chez la donc, table ronde, la grande illusion sûreté aérienne, on va en tout cas vous souhaiter de meilleures années à venir avec votre vrai nom, si c'est vraiment vous, Farid Chalabi. On sait jamais. Et remercie Christophe Naudin pour ce témoignage commun. Merci à tous les deux. Accueillons maintenant la nouvelle idole de la pop music, follement excentrique et talentueux en diable. Il est une véritable star en Angleterre et même déjà chez nous. Il s'appelle Mika, on ne sait pas s'il a des tablettes de chocolat. En revanche, son album Life in Cartoon Motion est un véritable régal. Si vous ne le connaissez pas encore, il sera ce soir sur scène à Paris au Trabendo. Remarquez, vous ne le connaîtrez pas plus parce que c'est complet. En revanche, le 30 juin prochain à l'Olympia, vous pourrez à nouveau aller l'applaudir. Accueillons celui à qui on doit des tubes comme Relax, Take It Easy ou encore Grace Kelly. Moi, je ne connais sa voix que sa voix
Je ne l'ai encore jamais vu, Mika. Je vais le découvrir. Oh. Je connais que ses chansons parce qu'elle passe beaucoup à la radio et que j'adore ça. Mais pour la première fois, en live sur notre plateau, Monsieur Mika. Bonjour, bienvenue. Alors, je ne vous imaginais pas du tout comme ça. Vous voyez tout à fait autrement. Mais petit. Hein. La plus petit. La plupart de gens me disent, ouais, tout le monde pense que je suis petit. Non, pas moi. Ah, okay. On n'a pas la traduction simultanée. Non, mais il parle très bien français. Il parle très bien français, Mika. Pour quelle raison? Alors, certes, vous êtes d'origine libanaise. Vous vivez actuellement en Angleterre. Vous considérez d'ailleurs comme britannique avec une culture libanaise. Mais vous avez vécu longtemps chez nous en France, à Paris. 8 ans, ouais. 8 ans à Paris, voilà. Ce qui explique le fait que... Mais vous... je fais beaucoup de fautes. Je vous dis maintenant... Non, non, non. Oh, ben nous aussi. C'est pas grave. Vous n'avez rien d'italien parce que vous ressemblez au David de Michel-Ange. Ouais, on vous l'a déjà dit, non? C'est un compliment, merci. Oui, c'est pas en général. C'est pas pour dire que t'as une sale gueule qu'on dit ça à quelqu'un. Alors. On va tout de suite regarder. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, et c'est vrai que moi, visuellement, c'est la première fois que je vous vois, mais évidemment, sur les radios, vous avez forcément entendu ça. Et en plus, vous allez voir le clip extrait. C'est bien vrai, pop music, quoi. Annie, j'ai un peu peur. Peur de quoi? Peur de qui? Non, j'ai peur de vous tous. Pas du tout. Je peux vous garantir en avant-première que tout le monde vous aime ici. Ah, ok. Moi, je voudrais juste vous interroger sur le... Vous êtes allé partout, vous avez beaucoup voyagé et semble-t-il, à un moment donné, la musique vous a sauvé parce que vous aviez 10-11 ans, vous avez arrêté de parler. Ouais, et pour quelle raison? Quand on a déménagé de la France à Londres, c'était très difficile. J'étais dans une école très petite ici à Paris et ensuite, j'étais dans un grand lycée. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école et j'avais 11 ans, et parce que je suis dyslexique, on dit ça en français? Oui, dyslexique. Dyslexique, j'avais 11 ans, je ne pouvais pas écrire ou lire, et c'était un problème. Dyslexique comme Christine Bravo. Ah non, elle a été Miss Mexique. Mais ensuite, j'ai eu beaucoup de problèmes et à Londres, et ils m'ont fait sortir de l'école, et pour 6 mois, j'ai pratiqué le chant avec ma professeure. Mais en fait, vous avez des facilités vocales assez étonnantes. Elle m'a entraîné très bien. Elle Il paraît que vous avez 5 octaves, c'est non, ça? Non, c'est pas vrai, c'est impossible, 5 octaves. Il y a des chanteuses qui ont eu 3-4 Jules, mais 5 octaves, c'est rare. Vous m'avez grillé 2 secondes. Caroline Diamant. C'est emballant, c'est génial. Alors, une question. On a bien compris, donc, une maman libanaise, un papa américain. Finalement, vous avez vécu au Liban qu'un an. Seulement un an, on a été évacués. Puisque vous avez dû partir. Alors, je voudrais juste savoir, vous dites quand on lit dans votre bio que c'est vrai que votre papa était retenu pendant la guerre d'Irak, quand vous aviez 9 ans, pendant 6 mois, au Koweït. Il est parti sur un business trip. Il était à Koweït pour, pendant la première, le premier soir de la guerre au Golfe, dans les années 90. Et il était coincé là-bas dans l'ambassade américaine pour 7 mois. On a seulement eu des fax à chaque quelques semaines. On regardait CNN chaque jour et chaque soir jusqu'à 2h du matin. Stevie est totalement fan, je crois. Bah, ça me correspond y a pas tout de à mots, fait. Il hein. n'y a pas de mots. C'est, ça frôle le génie. C'est l'album, écoutez, je vous ai découvert hier. Et je suis complètement fan. Non mais c'est incroyable. En une rapidité, et puis vous êtes mignon. Enfin, il y a tout. Non, franchement, c'est vous, incroyable. Beaucoup, hein, mais non, je drague pas. C'est juste que je trouve que c'est... Vous êtes tout seul à Paris. Et ben moi aussi, alors on n'en meurt pas. Juste une chose, c'est que ce que je trouve hallucinant, c'est les mélodies.
ça reste en tête. Moi, ma chanson préférée, c'est la numéro 6, c'est Any Other World, que je trouve absolument incroyable. C'est une superbe chanson. Enfin, tout est bien, l'album, il n'y a pas un truc qui n'est pas bien. C'est, ça s'écoute, c'est de la joie de vivre. Maintenant, je ferai mon sport dessus, vous voyez. Ah non, je suis très content. Moi aussi, alors. Allez, j'ai détrôné Madonna. Pierre, vous, c'est pas votre cup of tea. C'est pas ma cup of tea, mais j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve, en effet, comme l'ont dit beaucoup mieux que moi, les musicologues qui sont là, c'est vraiment, il y a toutes les notes, il y a tout le, et puis il y a de la joie. Il y a toutes les notes. C'est vrai que j'aime beaucoup, 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 et que c'est gai, c'est amusant, c'est, alors, et en même temps, c'est moi ça, ce qu'on me raconte là, je vois écrit pas terrible à côté de Pierre Bénichoux. Parce qu'il pensait que c'était Fred Mercury. Non, j'ai mis pas terrible quoi. Pierre, moi, parce qu'avant, il faut que je vous raconte quand même. Regardez, hein. Vous voyez, Stevie Boulet, top du top, il a dit, hein, conforme à ce qu'il vient de dire. Annie Lemoine, j'adore, conforme à ce qu'elle vient de dire. Philippe Gueluc, super. J'ai confiance. Caroline Diamant, génial. Isabelle Alonso, je ne l'ai pas encore fait parler. Pierre Bénichoux, pas terrible. Non. Il vous fait peur physiquement. Hein. Non, on m'avait interrogé. Il vous fait peur physiquement, vous êtes dégonflé. On m'avait interrogé sur Chalabi. J'avais dit, il n'est pas terrible. Quoi, vous me demandez confidentiellement ce que je pense de Chalabi, vous dites que c'est ce que je pense de Mika, et en plus, vous me dénoncez. Ah ben, je suis content de ne pas vous avoir connu pendant l'occupation. Isabelle Alonso, elle, je ne sais pas si elle vous connaissait avant, mais elle a dit « Oh oui, il est incroyable ce mec !» Ben, Pierre trouve que vous ressemblez au David de Michel-Ange. Vous ressemblez beaucoup à mes neveux, que j'adore par-dessus tout. Je trouve que vous êtes... C'est une tante qui vous parle. C'est une tante qui vous parle. Riri, Fifi, Loulou et Mika. Et alors, ce que je trouve, c'est que vous incarnez la grâce et le don. La grâce, ce que vous êtes physiquement, et le don... par ce que vous faites. Donc, bravo, continuez. Star is born. On n'assiste pas tous les jours à l'apparition d'un vrai artiste. Bref, je suis emballée. Je suis très contente. Le 12 juillet, j'ai envie pour les Lyonnais qui nous regardent. Le 12 juillet, vous serez à Lyon. Life in Cartoon Motion. Vous savez combien vous en avez vendu déjà en Angleterre? Apparemment, beaucoup. Très bien. Et en France? Beaucoup, en France, apparemment. Hier soir, ils m'ont dit qu'on est devenu platine. Disque de platine. Wow. Bravo. L'album de Mika. Dans un mois et demi. On fait venir Jérôme Bonaldi, si tu fasses connaissance. Voici Jérôme Bonaldi, ça vient de sortir. Là, vous ne serez pas venu pour rien, Mika. Ah oui. Attendez. Mika, vous avez voulu devenir vedette, eh ben c'est ça. Il faut supporter Bonaldi après, voilà. Non. Musique internationale, langage international, vous connaissez sûrement les codes-barres. Barcode in English. Barcode, ouais. Barcode. Il y a toujours tous les produits, j'ai une petite barre là, comme ça. En voilà une. Il y a que ceux qui ne vont pas au supermarché qui ne savent pas ce que c'est qu'un code-barre. Le problème, c'est que c'est très utile pour les caissières. Il y en a un sur votre disque, j'ai vérifié. Voilà, c'est partout. Sauf que ça n'a aucun intérêt pour nous, le commun des mortels. Heureusement, ils sont arrivés, mieux que le code-barre, le tag. Tag in English et tag in French aussi. Ça, c'est un tag. Et ce truc-là, c'est mieux qu'un code-barre, parce que c'est lisible par vous et moi. Vous téléchargez sur votre ordinateur, et ça se lit avec une webcam, ou mieux, vous le téléchargez gratuitement sur votre téléphone. Et ça donne, première application, elle est vieille comme le monde, vous la connaissez sans aucun doute, c'est les cartes de visite. Voici une carte de visite, a priori d'une banalité ordinaire, banale, sauf que regardez, en plus, il y a ici un petit tag à chaque fois. Si je vous donne cette carte de visite, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, ça met ici. Vous allez la recopier bêtement. L'idée, elle est, je prends avec mon téléphone, je le mets en marche, et automatiquement, je ne sais pas si vous voyez ici, ça repère le tag. Dès qu'il le voit, hop, je me mets ici, il prend la photo et il lit le tag. Et alors, ça dit quoi? Eh bien, ça dit que directement dans l'ordinateur, là-dedans, il y a le nom, le prénom bien rangé. J'ai pas besoin de taper Philippe ou Laurent, R-E-N-T, Ruquier, R-U-Q-U-E-R. Il y a Laurent, Ruquier dans les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone. C'est génial. C'est vachement pratique. C'est autre truc. Regardez. Voici un micro-ondes. C'est le dernier de chez une marque japonaise qui fabrique des très beaux micro-ondes, qui fait le four, la vapeur. Il est en quelle matière au-dessus? Là, c'est du métal. Parce que lui, il est fort, Mika. Ha ha ha.
Je mets dedans les ingrédients parce qu'il est livré avec des tas de recettes de cuisine formidables, y compris des recettes extrêmement compliquées, puisqu'on peut tout faire, y compris la cuisson vapeur. Je mets dedans. Pas que des trucs qui puent comme votre truc. Non, pas que des trucs qui puent. Je mets tout dedans les ingrédients. Il y a du congelé, il y a du à rôtir, etc. Et là, normalement, il faut programmer. Non, je ne programme plus. J'appuie sur scanning, ce qui veut dire tag, et regardez. Ah, c'est encore les tags. Vous avez vu, je pensais qu'on en était sorti. Un petit tag ici. Il va lire le tag. Il va lire le tag. Il va lire le tag. Il devrait lire le tag. Il va lire le tag. Il a lu le tag. Il a lu le. Voilà, il a lu le tag. Et bien. C'est le tag correspondant à ma recette. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et il va faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire rôtir et puis ensuite arrêter 2 minutes, passer au four micro-ondes, arrêter 2 minutes. Ouais. Toute la programmation, elle est faite là-dedans. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça vous plaît ? Ça, c'est mieux. J'ai encore mieux. Voici un jean ou une petite jupe. Eh, imaginez. Non, ça ne m'ira pas, ça. Bon, alors. Vous mettez votre corps de rêve là-dedans. Ou n'importe qui, et vous avez un corps de rêve. Et là, vous dites, tiens, mais oh là là, plutôt comment que demander l'adresse du jeune homme ou de la jeune fille, vous prenez votre téléphone et je clique, vous prenez la photo. Et là, vous avez alors, soit son adresse, s'il a bien voulu le donner, soit un site, soit son adresse internet. Faut se méfier parce que parfois, le téléphone s'enfile. Ça sent le film du tampon. Alors, c'était juste pour vous dire que le tag, c'est vraiment un produit d'avenir, que c'est simple, qu'on peut s'approprier, qu'on peut donner son adresse, ses coordonnées, son site internet, son blog. Excusez-moi, mais c'est bientôt cuit, là, ou quoi? Oui, c'est bientôt cuit. Voilà. Comment avoir faim, hein? On c'est dit au revoir à Jérôme Bonaldi et ses tags. Mika, vous savez qu'il y a une règle dans cette émission. C'est quoi? Dès que nous recevons une vedette internationale, et vous êtes maintenant une vedette internationale, même si vous parlez anglais, et attention, hein, ici on en a reçu, hein, qui on a reçu? Lionel Richie. Paolo Nutini. Il doit connaître lui, Paolo Nutini. Oui, Paolo Nutini. Will Smith. Bobby. Qui est Will Smith. Ah, Will Smith. Will Smith. Ça y est, il fait le plan. Vous avez vu ça? J'ai fait Will Smith, il me fait qui? Je fais Will Smith, il me fait Will Smith. Laurent. Comment je dois dire Will Smith? Non, vous le dites très bien. Dites-le, vous. Will Smith. Will Smith. On a eu Bobby. 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 Vous voyez qui? On a eu Fred Mercury. Fred Mercury, c'est bon. Bref, tous, on leur a demandé s'ils connaissaient une petite chanson française pour le public français. Alors, juste un refrain, hein, quatre vers, juste pour qu'on entende le son de votre voix en chant. Je peux vous dire ce qu'a chanté par exemple Lionel Richie. Il a chanté Alouette, gentil Alouette. Ah, Alouette, gentil Alouette. Mais peut-être, mais à chaque fois on a le droit à celle-là. Si vous pouviez trouver quelque chose d'autre, ce serait tellement. Non, mais lui qui parle bien français. Un peu de Gainsbourg, de Gainsbourg. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue main à main. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue, something, something. Et les yeux dans les yeux. Et les mains dans la main. Et le truc dans le machin. Bravo! Ben voilà, Françoise Hardy, ça prouve une fois de plus que c'est la chanteuse française la plus appréciée des Anglais. Non? Non, c'est vrai. Vous êtes un peu de la famille. Je dessine un peu aussi. Pardon? Joe Dassin, j'aime Joe Dassin. Qui Joe Dassin. Joe Dassin. Oui, Joe Dassin. Will Smith. Joe Dassin, ben alors, ben on la chante tous les deux alors, Joe Dassin. Je vais me balader. Sur l'avenue. Du cœur ouvert. À l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à... N'importe Will qui. Will Smith. Et ce fut toi. Je te dis... N'importe quoi. J'avais envie de... T'apprivoiser quelque chose. Apprivoiser. Commençons d'abord par apprivoiser. Et puis après, on verra. Bravo, Mika. Life in Cartoon Motion, un tabac cet album. Déjà disque de platine en juin, le 30 juin précisément à l'Olympia. Merci, bravo. Avant notre dernière invitée, allez hop, tout le monde dans la campagne. Et on commence ce soir par Marine Le Pen,
en banlieue hier, puisqu'on peut dire qu'elle a le sens de la répartie. Regardez ce que nous raconte Le Parisien ce matin. Ça se passe sur le marché de Meaux, en Seine-et-Marne. Elle croise quelqu'un sur le marché qui lui lance « J'espère que vous ne serez pas élu ». Et qu'est-ce qu'elle lui répond, Marine Le Pen ? Ça tombe bien, je ne suis pas candidate. Le candidat, c'est Jean-Marie Le Pen. Forcé de reconnaître qu'elle a quand même le sens de la répartie. Bah, tiens ça de son père. Gueluc. C'est toujours rageant quand on voit ce que l'extrême droite a pu provoquer comme chose terrifiante. À travers le monde. À travers le monde et à travers l'histoire. Évidemment, c'est toujours rageant d'entendre dire quelque chose d'intelligent ou de drôle par quelqu'un de l'extrême droite. En tout cas, les candidats... évidemment, vont en banlieue en ce moment, sauf Nicolas Sarkozy qui a peur d'aller à la rencontre des jeunes dans certaines banlieues, alors que Marine Le Pen, c'est le contraire. En banlieue, c'est elle qui fait peur aux jeunes. On passe à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. On peut dire que le ton monte entre les deux candidats puisque la candidate socialiste a traité de menteur le candidat UMP. Elle a dit « Je n'ai jamais tenu de tels propos. Monsieur Sarkozy a menti. Un menteur est-il apte à devenir président de la République ?» C'est elle-même interrogée. En même temps, elle est un peu naïve, Ségolène. Pour être élu président, il faut même être super menteur. Annie. Quand il y a deux individus comme ça, Sarkozy, Ségolène Royal, il faudrait quelqu'un qui les prenne tous les deux, qui les assoie de force à une table et qu'ils débattent enfin. On va voter pour un président qui n'aura jamais débattu face à son adversaire. Peut-être sur Internet, vous on avez entendu ça. On a une Chirac, oui, je sais, mais non, Internet, tout le monde n'a pas Internet et c'est une audience qui est quand même pas... On a le droit à la télévision à avoir un débat. On a le droit à voir ces deux candidats se mesurer l'un face à l'autre, projet contre projet. Pourquoi refusent-ils? C'est scandaleux. Isabelle, allons-y. Enfin, on parle de la violence de cette campagne, mais historiquement, les campagnes étaient autrement violentes dans le temps, donc je suis pas sûre que c'est pas si violent que ça. Sauf qu'avant, il y avait des noms d'oiseaux, mais il n'y avait pas de candidats chasseurs. On passe au candidat UMP, Nicolas Sarkozy, pris quand même en flagrant délit de promesses impossibles à réaliser par le canard enchaîné. Puisque le 1er avril, vous me direz qu'il pourra toujours dire que c'était un canular ou un gag, le 1er avril dernier, M. Sarkozy a promis dans la même phrase que son gouvernement serait resserré, 15 ministres, pas un de plus, et qu'il respecterait la parité. Comment respecter la parité avec un nombre impair? Va falloir prendre un bisexuel sur les 15. Isabelle. Ça veut dire que comme lui va faire partie du groupe, au Conseil des ministres, il y a le président, donc il faut qu'il y ait 8 femmes et 7 hommes. Ah, ça fera 8 et 8, ça fera 16. Vous voyez les choses de façon optimiste, ouais. Vous. Hein. Non, mais et une femme premier ministre, première ministre, évidemment. Dans le Figaro, c'est la petite phrase de Mme de Fontenay qui est mise en exergue. Ségolène Royal a la dimension présidentielle. Elle est féminine, je ne l'ai jamais vue en pantalon, dit-elle. Comme je sais que Mme de Fontenay nous regarde régulièrement, écoutez Geneviève, voilà pour vous faire plaisir, regardez, elle est parfois en pantalon, oui, Ségolène Royal. Et même Geneviève, pour le défilé en maillot de bain, sachez que vous allez être déçus puisque Ségolène préfère le bikini au maillot une pièce. En même temps, il faut quand même rappeler à Mme de Fontenay que c'est pas si grave, hein. C'est pas l'élection de Miss France qui a lieu dans 15 jours, Geneviève. Ce qu'elle voudrait en fait, Geneviève, c'est qu'on crée un impôt sur la fortune d'Omar Harfouch. C'est affreux qu'on en... D'abord, elle ne sait pas ce qu'elle dit, puisqu'on a vu Ségolène en pantalon et en blue jean. Et en plus, c'est tellement vieux, tellement machiste de dire ça, et qu'en plus, elle a raison. Non, mais elle est sympathique, notre Geneviève, mais elle a raison, elle c'est beaucoup trop. Plus féminin, la jupe, que le pantalon. C'est ça, le drame. Oui, mais c'est vraiment pas le sujet. Voilà. Ah, si, c'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet, parce qu'on n'a pas non plus vu Sarkozy en jupe. Dans le Figaro, on nous fait comprendre aussi aujourd'hui que le futur Premier ministre de Nicolas Sarkozy pourrait bien être M. François Fillon, ce qui redonne de l'espoir à gauche à Dominique Strauss-Kahn, puisque, et là c'est le canard enchaîné qui nous le racontait ce matin, Ségolène Royal aurait autorisé Dominique Strauss-Kahn à débattre contre Fillon, histoire d'asseoir son profil de premier ministrable. Comme ça, ça commence à être clair. Ségolène Royal avec Strauss-Kahn comme premier ministre et Sarkozy avec Fillon comme premier ministre. C'est bien, on sait où on va. Ce qui serait bien, c'est que M. Gérard Chivardi nous dise qui il prendrait comme premier ministre. Parce que là, on est trop dans l'inconnu.
On termine par la photo du futur président de la République. Attention, pas celui de 2007, mais peut-être celui de 2017 ou 2022. Il est actuellement en formation avec son grand-père. Et oui, pour la première fois dans la presse aujourd'hui, on nous montre le petit Martin Chirac pris en photo. Il faut dire que le président, lors d'une visite aux armées, a autorisé les journalistes et les photographes donc, à nous montrer le petit-fils. C'est la première fois que ça arrive. Avant, quand on le voyait en photo, le petit Martin, on floutait son visage. Eh bien, bientôt, c'est lui qui sera au centre de la photo et il demandera à ce qu'on floute le visage de son grand-père. Pierre. Avouez qu'il est génial, Chirac. Il faut faire son dernier truc officiel avec les armées. Il dit j'ai amené le petit. Pas bon. Même quand il n'est pas candidat, il est bon candidat. Non, attends, mais c'est vrai. Je m'étais fait la remarque inverse. Je pensais que il a dit à son petit-fils je vais t'emmener faire un truc marrant. Il a cru qu'il allait à Euro Disney. Il s'est tapé des revues de militaires pendant toute la journée, le pauvre gosse. Il y a maltraitance, là. Hein. Vous savez pourquoi il est allé avec son grand-père faire cette espèce de parade militaire? Parce qu'il le lui avait demandé. J'ai eu l'enregistrement et il dit « Grand-père, j'aimerais beaucoup t'accompagner pour visiter les armées. » Ils parlent tous comme ça dans la famille. N'importe quoi. Notre dernier invité pour ce soir, c'est Maud Christen, la célèbre voyante capable de deviner le contenu d'enveloppes scellées et de se livrer à des exercices de vision à distance. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Dans son ouvrage « Ma vie et l'invisible » à paraître prochainement aux presses du Châtelet, Maud Christen nous raconte pour la première fois sa jeunesse, mais surtout la découverte de ses capacités extrasensorielles et le combat qu'elle mène, comme beaucoup de voyants et de voyantes, pour que les scientifiques considèrent enfin le paranormal et la voyance comme sujet de recherche à part entière. Pour parler ensemble de son livre « Ma vie et l'invisible », accueillons la voyante Maud Christen. Bonsoir, bienvenue. On est bien d'accord, hein, voyante et pas astrologue, puisqu'Elisabeth Tessier, elle avait réussi à faire rentrer l'astrologie à la Sorbonne indirectement, hein, parce qu'elle avait fait croire qu'elle avait fait rentrer l'astrologie. En fait, elle avait fait rentrer une étude sur l'astrologie à la Sorbonne, ce qui est un peu différent. Vous, vous aimeriez aussi que les scientifiques, que les chercheurs se penchent d'un peu plus près sur vos dons. C'est ce que j'aimerais, c'est que ce soit les chercheurs français, parce que dans d'autres pays d'Europe et dans tous les pays développés d'Europe, notamment dans les pays anglo-saxons, il existe des laboratoires de parapsychologie qui embauchent des dizaines de chercheurs. Il y a des étudiants qui, chaque année, font des thèses sur ces questions dans des universités comme Princeton, comme Cambridge, qui sont tout de même prestigieuses. Donc il y a vraiment un problème français, une question française autour de la parapsychologie, qui a des racines historiques. On y croit un peu moins chez nous, en fait, c'est ça ? Ben justement, ce que je voudrais, c'est qu'on soit plus dans y croire ou pas y croire, mais que ça puisse se penser. Parce que si vous voulez, dans ce qui se croit ou ce qui ne se croit pas, il y a une notion extrêmement personnelle. Moi, je suis bouddhiste, alors je crois en la réincarnation. Bon, or... Vous êtes bouddhiste aussi ? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas ouvert mon livre ? Si. Non, vous savez, il y a un joli cahier photo. Non, mais je suis étonné. Ah, c'était une ruse. Là, c'est la prof qui m'a l'air mais vraiment voyante, parce qu'elle a vraiment vu que vous n'aviez pas bossé cette séquence. Hein. C'est d'abord Annie Lemoine qui semble intéressée par La vie et l'invisible et qui va nous en dire deux mots de ce bouquin. Alors Annie. Ah oui, parce que moi je crois qu'effectivement certaines personnes ont des dons et qu'elles sont capables d'avoir des visions, des flashs sur des événements qui vont se produire plus tard dans la vie de certaines personnes. C'est comme ça. Je crois à ça. Donc j'ai lu votre livre avec intérêt. Il y a des gens qui viennent vous voir en consultation. Oui. Est-ce qu'à certains moments vous avez été gênée face à une personne, hésitant à lui dire des choses par exemple? Ah bah bien sûr, ça c'est même le cœur de la pratique. C'est, bon, déjà il y a un malentendu, aller voir une voyante ça fait pas forcément du bien et ça fait pas forcément plaisir. Voilà. Quand on va voir, quand on va se faire masser, ça fait toujours du bien et ça fait toujours plaisir. Enfin, quand ça se passe bien. Ouais. Bon. Ça ressemble plutôt à une analyse, à une espèce de bilan, une prise de sang. Vous n'êtes pas toujours content du résultat. Vous, c'est avec des taches d'encre hein, que vous travaillez, toujours ? Non, je travaille avec... J'ai une perception directe. Et puis j'utilise aussi... Il y a ce qu'on appelle les perceptions directes, qui ne sont pas des flashs au sens où on l'entend, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je vois. Ça marche comme pour vous, la mémoire. Par exemple, si je vous dis... qu'avez-vous fait hier soir ? Vous allez avoir un mélange entre
des images, des odeurs, peut-être une ambiance. Si je vous dis vous étiez dans un restaurant, vous allez me répondre bah oui. Mais en revanche, si je vous demande combien il y avait de convives dans ce restaurant, vous ne pourrez pas me répondre. Bon, c'est pas pour ça que vous n'y êtes pas allé dans ce restaurant. Vous dites d'ailleurs qu'il y a plusieurs sortes de voyances. On peut voir quelque chose dont on est sûr que ça va arriver. Oui, absolument. Ça, oui. Voilà. Oui. On peut voir quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va arriver. Oui. On peut voir quelque chose qui n'arrivera pas. Oui, tout à fait. Le problème pour nous, c'est de savoir dans quel cas on est. Philippe Gueluc. Voilà. Alors moi, je pense que j'ai un don de voyance aussi parce que quand on m'a annoncé qu'on m'enverrait votre livre, je me suis dit à l'avance, ce livre va m'énerver. Et j'avais bien vu. je suis pas très d'accord avec vous sur un principe, c'est que pour moi, le futur n'existe pas. Il existe seulement lorsqu'il devient du présent. Et donc, je pense que les choses ne sont pas écrites. Je pense que certaines religions le prétendent, mais que là, on est dans le domaine du religieux. Mais ces religions qu'ils prétendent, elles ne sont pas mes amies. Et si vous aviez lu mon livre, vous le sauriez. Donc, il faudrait déjà commencer par lire mon livre. Ça serait mieux. Je ne l'ai pas lu. Merci. Voilà. Je vais vous faire venir plus souvent, ça en fait deux de virer. Non, pas du tout, parce que vous abordez parfaitement ce chapitre et vous parlez des connotations religieuses de la voyance et de ce rapport. Bien sûr. Mais... Je voudrais que nous nous livrions à une petite expérience. Personne ne sait ce que contient cette enveloppe, sauf moi. Je vais vous la remettre, mais vous demandez... Non, je ne me prêterai pas à cette expérience. Elle ne le fait jamais. Attends. Non, je vais vous dire pourquoi. Je ne me prêterai pas à cette expérience, parce que ça fait 20 ans que je le fais, partout et toujours. Mais vous dites ça à chaque fois, mais je ne vous ai jamais vu le faire. Bon, écoutez, mon cahier photo, il y a des tonnes d'émissions. Vous allez m'écouter. Si je veux travailler avec des scientifiques, c'est parce que, justement, il faut un moment où on arrive à tomber d'accord. Il faut qu'on arrive à tomber d'accord sur le fait que je ne peux pas prouver à chaque personne, à chaque fois, ça sert à quoi? Imaginez un boulot où toute votre vie, vous faites la même chose qui à chaque fois marche, et on vous demande de la refaire. Écoutez, c'est ce qu'on fait tous. Tous les jours, on nous demande d'être drôle. Tous les jours, on travaille, on fait tous la même chose. Ceux qui nous regardent, nous... Attendez, l'eau qui boue à 100 degrés, vous n'allez pas le refaire à chaque fois? Si. Ah, vous le refaites à chaque fois? À chaque fois, on va manger des œufs à la coque, on le fait, moi. Non, je vais vous dire une chose. Je refuse et je vous explique pourquoi. Mais je ne vous ai pas encore posé la question, ne refusez pas. Mais je refuse de faire votre expérience, parce que si justement je me casse, à essayer, à prendre des risques en allant être filmée dans des labos de parapsychologie pour Marie-Monique Robin, qui est quand même une journaliste qui a eu le prix Albert Londres, alors que j'ai 15 ans de métier et que je peux foutre ma carrière en l'air, être filmée à faire ce type d'expérience, c'est pas pour le refaire systématiquement sur tous les plateaux de ma vie. Je veux qu'on dépasse le problème. Regardez-moi. Ouais, dans les yeux. Et je vous dis une chose, faites-moi confiance. Mais j'ai pas à vous faire confiance. Vous me prenez pour quoi? Pour une imbécile? J'ai pas à vous faire confiance, ni à pas vous faire confiance. Je vous donne des arguments qui sont légitimes. Alors, je vais le faire et vous allez voir que vous avez eu tort. Il y a dans cette enveloppe un papier. D'accord? Je vais vous demander ce qui se trouve sur ce papier. Mais vous insistez... Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien sur ce papier? Ce qu'il faudrait qu'il y ait de votre part... Est-ce que vous ne voulez pas répondre? Ce qu'il faudrait qu'il y ait de votre part, c'est une capacité à remettre en cause vos croyances. Vous partez du principe que je suis un charlatan. Vous avez le droit de le penser. Il y a 50% des gens qui le pensent. Ça fait... J'ai 42 ans. Ça fait 40 ans. Vous ne les faites pas. Bon. Pas de flatterie, hein. Bon. J'ai 42 ans. moi, je vous vois pas une ride, rien. J'ai 42 ans. Bon, ça fait 30 ans que je fais des rêves prémonitoires. Dans le monde entier, à toutes les époques, il y a des gens qui possèdent les capacités que je possède et tout le monde les possède de manière latente. Je passe ma vie à essayer de trouver des systèmes qui... J'aimerais que vous essayiez à réfléchir sur le pourquoi vous partez du principe que je suis un charlatan. C'est à vous de vous poser la question. Alors, je vais vous montrer, c'est pas à moi de refaire éternellement les mêmes choses. Moyenne comme voyante parce que vous auriez dû sentir... Parce qu'il n'y avait rien dans l'enveloppe. C'est ce que vous dites? Oui. Il n'y a rien sur le papier? Non, mais c'est un coup tellement classique. Dites-moi, on va l'ouvrir devant tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ou rien sur le papier? Écoutez, c'est... À votre avis, regardez, je ne voulais pas vous piéger. Sur le papier, il y a quelque chose, c'est-à-dire rien. Bah oui, vous m'auriez répondu. Vous m'auriez répondu. C'est un coup classique, on me l'a fait 300 fois.
On me l'a fait 300 fois. Bah ouais, la prof, je t'avais dit. Mais non, dans tous les cas, vous étiez gagnante. Mais oui. C'est pour ça que je voulais. Mais j'étais gagnante. Je comptais pas vous piéger. Je voulais juste vous faire sourire, je voulais vous faire rire. Vous avez même pas envie de ça, alors je vous dis. Voilà. Dans tous les cas, vous étiez gagnante. Bon, en tout cas. Vous auriez dû, au moins, si vous aviez un peu de senti, vous auriez pu sentir que je vous voulais pas de mal, je voulais juste faire rire les copains. Sauf qu'imaginez et vous, que vous êtes braqué. Imaginez. Donc vous n'êtes pas une si bonne voyante que ça. Voilà. Bon, le coup du rien dans l'enveloppe, je excusez-moi, mais là où je suis une bonne voyante, c'est que je savais que vous alliez me le faire. Voilà. Excusez-moi. Bah si. Puisque je vous ai dit, il n'y a rien dans l'enveloppe. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Caroline. Je peux rien. Caroline, voilà. Je dis que c'est une excellente voyante parce qu'elle a réussi à venir un jour où Gérard Miller n'est pas là. Et ça... Oui, on ne sait pas mieux. Hein. Non, mais honnêtement... Mais moi, je veux bien le rencontrer, Gérard Miller. On parlera du livre noir de Canalise. Je vais vous dire, ce n'est pas la peine parce que ça nous agacera aussi. Quand Gérard est là et qu'on parle de voyance, voilà. Il perd toute objectivité et tout contrôle. Non, moi, je voudrais dire quelque chose. J'ai été pendant des années tellement rationnel que votre monde n'existait pas du tout. Il m'est arrivé des choses qui m'ont fait, je dois dire, douter. Maintenant, j'ai une grande indulgence pour tout ce que je ne comprends pas. Et je veux bien accepter. Quoi ? Nous aussi, on a une grande indulgence quand vous ne comprenez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je crois à 100%, pas forcément à tout ce que vous décrivez, mais à votre sincérité. Isabelle Alonso, qui n'est pas intervenue encore. Ça ne heurte pas ma rationalité fondamentale de penser que certaines personnes puissent avoir des perceptions extrasensorielles. Pourquoi pas ? Il y a des gens qui ont l'oreille absolue, il y en a qui ont une vue perçante, etc. Imaginons qu'effectivement, vous avez ces capacités-là, vous et une infime minorité des êtres humains. Admettons. Ce qui me pose problème, c'est la disproportion incroyable entre les capacités que ça vous donnerait, à savoir qu'on pourrait utiliser ses capacités à voir l'avenir immédiat pour prévoir le tsunami, le 11 septembre, des choses comme ça vraiment importantes. Justement. Et vous n'avez pas prévu le 11 septembre. Lisez le texte. J'ai vu quelqu'un dans des buildings effondrés, couverts de boue, qui courait. Oui, mais building effondré, tout ça paru dans Marie-Claire en 91. 10 ans auparavant, vous avez dit à des gens... moi aussi, mais je suis capable. Non, mais c'est n'importe c'est quoi. Si vous me dites la veille, allez pas au World Trade Center... Non, attendez, faut pas nous prendre pour des couillons, quand même. C'est pas un truc de couillons. Si vous me dites la veille, ou 8 jours avant... Mais attendez. Laissez-moi terminer. Si vous me dites la veille, 8 jours avant, ou même 15 jours, ou 3 mois avant, faites attention, on n'est pas aux États-Unis, il y a 2 tours qui vont s'étrouler. Ou même pas de tour, il y a un truc qui va se passer, une catastrophe, allez pas à New York, ok. Mais si 10 ans avant, vous voyez éventuellement des gens avec de la boue, il y a tous les jours des gens dans la boue aux États-Unis, il s'est toujours passé quelque chose. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas tous les jours aux États-Unis des buildings qui s'effondrent. Vous n'avez pas dit qu'il y avait des buildings. Si, c'est écrit, je suis désolée. Là, dans le bouquin, c'est écrit. Mais dans le texte de Marie-Claire aussi, c'est écrit. Vous avez l'article. Vous dites en 91, je ne me trompe pas sur la date. Je suis contactée par Hélène Mathieu. Vous lui dites, c'est étrange, mais je ressens des choses très inquiétantes concernant les États-Unis. L'autre jour, un ami qui rentrait de ce pays me montre une photo de lui sur fond de building. Je sors de la pièce pour faire du thé et lorsque je reviens, je regarde à nouveau cette photo. Je vois alors la même image avec des buildings effondrés. C'était si fort que j'ai cru un instant que j'étais victime d'une illusion d'optique. Une autre fois, une cliente est venue, enfin bon bref, j'en passe. J'ai vu cet ami échevelé avec des traces de boue partout comme sortant d'un bombardement. Et là, vous dites sur plusieurs destinées individuelles, des gens qui venaient me voir au sujet des États-Unis, j'ai eu des flashs catastrophiques. Oui. À la limite, même si vous voyez 2 tours s'effondrer, comme vous le dites, à quoi ça sert de voir ça en 91 pour un truc qui va se passer 10 ou 11 ans plus tard? À rien, c'est ce que j'écris. C'est ça. À quoi ça sert? C'est la seule question. Pour terminer par une note positive, Stevie qui a l'air d'y croire plutôt. Moi, j'y crois parce que j'ai vécu aussi des choses dans ma vie qui m'obligent à y croire. Par exemple, mon agression, je l'ai vécue une semaine, jour pour jour. C'était le samedi, j'étais chez ma grand-mère. J'ai un flash, je me réveille en pleine nuit, il était 7 heures du matin. Juste un point qui m'arrivait dessus. Voilà, paf. Une semaine plus tard, effectivement, je me suis fait agresser. Et vous savez comment je m'en suis rendu compte? C'est que j'étais en train de marcher, je rentrais chez moi et je vois le portail avec le même rond interdit de stationner. Et là, je me retourne, effectivement, les 5 mecs, ils étaient derrière moi. Non. Comment? Mais non, mais vous prenez ça... Ah, c'était un rêve, alors. Me prenez pas pour un fou, c'est vrai, ça s'est passé, je l'ai rêvé. Et c'est arrivé, effectivement, je me suis fait agresser, je me suis bien fait casser la gueule. Qui ne sont pas réalisés. Mais... Oui, voilà. Enfin, bref. Voilà. Tout ça pour vous dire, moi, je pense pas que vous êtes une voyante, vous êtes une sorcière. Je vous remercie. Eh ben voilà, une bonne conclusion.
je vois David Pujadas qui s'installe. Le journal de 20h, je vois Samantha, voilà, tout arrive dans le désordre et peut-être même la publicité avant. En tout cas, je vois. Oulala, la fin de cette émission. Merci, Maude Christer. Aux presses du Châtelet. Ma vie est la vie vive. Merci à vous.